Bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre. On va parler d'impression sur Lightroom et pour ce cinquième chapitre, on va voir un peu tous les petits points de détail sur lesquels on est passé un peu rapidement. Alors le premier, c'est l'explorateur de modèles. Je vous ai dit qu'on verrait ça dans le dernier chapitre, donc c'est ce qu'on va voir. L'explorateur de modèles, c'est un peu comme les presets de développement. Vous allez pouvoir créer un modèle, le sauver, lui donner un nom. Alors, vous en avez des tout faits. D'accord, donc là par exemple c'est un 5x7, là c'est un 4x6, là c'est plusieurs photos sur la même page. D'ailleurs vous voyez que les modèles peuvent être soit en une seule image planche contact, soit ils peuvent être, si je prends celui-là, en collection d'images. Donc vous voyez dans les modèles vous pourrez utiliser ici les trois trucs. Moi je vais faire par exemple un modèle planche contact, donc je vais me mettre une seule image planche contact. Je vais choisir du papier A4 parce que dans le modèle, vous aurez aussi la taille du papier. D'accord? Je mets du papier A4 en portrait, très bien. Et je vais mettre ici des marges à 1 cm. Voilà. Et je vais choisir ici un quadrillage. Ouais, 6 lignes et 4 colonnes. Voilà. Moi, ça me va bien comme planche contact. Je vais pas remplir, je vais pas faire zoom pour remplissage parce que je veux la vraie photo et je veux pas non plus adapter la rotation parce que quand c'est du portrait, je veux que ça soit du portrait, quand c'est du paysage, je veux que ça soit du paysage. Voilà. Donc là, j'ai fait ma planche contact. Je vais juste mettre un peu d'espacement, voilà, dans ce sens-là et un peu dans ce sens-là. J'ai une planche contact en A4. Donc ça, je vais vouloir le sauver. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire plus. Alors il me dit où est-ce qu'on veut le mettre. Donc là, j'ai un dossier oui photo. Je pourrais créer un nouveau dossier. Hein. Je vais créer un nouveau dossier. Test pour la formation. Créer. Très bien. Et dedans, je vais faire planche contact. Créer. Donc là maintenant, si je vais dans l'explorateur de modèles. Ah, j'avais les modèles Lightroom tout fait, et puis j'ai un nouveau dossier ici avec marqué planche contact. Si je veux faire un autre type de mise en page, donc imaginons que je veux une collection d'images, hein, je veux la même photo à plusieurs endroits. Ça, je veux le bouger un peu, voilà, ça, je vais le bouger également par là. Et imaginons que ça, je veuille le mettre là, voilà, c'est un autre. Notre modèle, hein. Et je vais le sauver également, ce modèle-là. Je vérifie ma mise en page, je suis toujours en A4, en portrait, très bien. Je vais donc à nouveau créer un nouveau modèle. Je vais dire que je le mets bien dans test pour la formation. Nouvelle mise en page. Donc maintenant, si je regarde dans mes modèles, ici, test pour la formation, j'ai nouvelle mise en page et j'ai planche contact. Comme pour les presets, vous pouvez ensuite renommer, mettre à jour avec les paramètres actuels. Donc si je prends par exemple nouvelle mise en page ici et que je bouge cette case, je peux aller là, je fais clic droit, je fais mettre à jour avec les paramètres actuels. Donc vous voyez là, par exemple, je peux choisir ma planche contact et là, j'ai nouvelle mise en page. Je peux maintenant changer de collection, c'est-à-dire que si je vais par exemple dans ma collection Black and White, vous voyez que là je peux choisir la mise en page, nouvelle mise en page, hein, ou je peux choisir la mise en page planche contact. C'est tout à fait possible aussi. Donc là j'ai sauvé une espèce de preset que je peux réutiliser pour chaque collection et pour chaque impression. Maintenant ce qu'on peut faire, alors on va aller dans la collection Insectes. D'accord? Et on peut sauver ça, en fait, vous voyez, mais impression non enregistrée. Parce que j'ai sauvé le preset, mais l'impression en elle-même, je ne l'ai pas sauvée par rapport à la collection. Donc ce que je peux faire ici, je peux faire créer une impression enregistrée. Il va me dire dans quoi je veux le mettre. Et là, par exemple, je dis que je veux dans oui photo série insectes. D'accord? Et là, je vais l'appeler. Planche contact pour les insectes. Je ne veux pas créer de copie virtuelle en même temps, je ne veux pas définir comme collection cible, je fais créer.
Et là, vous voyez qu'apparaît une petite icône à l'intérieur de ma collection qui me dit que j'ai une impression planche contact pour les insectes. Maintenant, reprenons ma collection ici et je vais aller prendre nouvelle mise en page. Ici, il met toujours impression non enregistrée parce que cette impression n'a pas été sauvée dans la collection. Là, je peux à nouveau faire créer une impression enregistrée. Très bien. Je vais dire que je la veux dans les insectes et je vais l'appeler par exemple nouvelle mise en page des insectes. Créer. Et maintenant dans ma série, vous voyez, j'ai deux choses. Alors, ça va servir à quoi? Imaginons que je suis en mode bibliothèque, hein, je suis là, ici, dans ma collection des insectes. Donc, si je double-clique là-dessus, ou si j'appuie sur la petite flèche qui est là, ça revient au même, ouvrir impression, il va aller dans le module impression et il va me choisir la bonne mise en page directement. Vous voyez, il m'a mis la mise en page. La même chose pour la planche contact, hein, je vais revenir en mode bibliothèque. Si je me mets ici sur la planche contact et je dis va à l'impression, donc je clique sur la petite flèche ou je double-clique, ça revient au même, il va m'ouvrir l'impression directement avec la mise en page planche contact. Donc vous allez pouvoir comme ça créer des impressions pour un livre, pour une exposition avec des titres, et vous allez pouvoir sauver complètement ça à l'intérieur de la collection. De telle manière que le jour où vous voulez réimprimer cette page-là pour une nouvelle exposition ou parce que vous avez perdu ou vous avez vendu le tirage, imaginons, ben vous pourrez directement retourner là-dedans et retrouver l'impression que vous aviez faite et vous pourrez refaire directement l'impression. Donc là, on a vu comment faire des presets, on va dire, généraux, utilisables pour chaque collection. Et on a vu comment sauver également dans une collection directement le preset pour pouvoir retrouver toute l'impression qu'on avait fait avant. Qu'est-ce qu'on peut faire encore maintenant, les choses qu'on n'avait pas vues? Je vous avais parlé ici de quelque chose qui est photo marqué. On avait toutes les photos du film fixe, on avait les photos sélectionnées, je vais en sélectionner quelques-unes, et on avait les photos marquées. Alors le marquage, là, c'est le petit drapeau blanc et le petit drapeau noir. Donc moi, je ne l'utilise pas pour une raison bien simple, c'est quand je fais le tri de mes photos, je les marque avec le fameux X ou P. Et donc elles sont marquées et je ne vais pas effacer ce marquage après. Donc moi, toutes les photos sont marquées, donc pour moi, ça ne veut rien dire d'aller ici choisir photo marquée. Donc je reste toujours soit toutes les photos du film fixe, soit les photos sélectionnées. Écoutez, il me semble qu'on a fait relativement le tour, hein, des petites choses qui nous manquaient. Donc là, vous êtes prêts pour aller faire vos premières impressions. Donc, soyez persévérants, vous obtiendrez peut-être pas forcément le bon résultat tout de suite. Il faut apprendre à apprivoiser un peu tout ça, surtout votre imprimante, associée à différents papiers. Des fois, on a des résultats qui ne sont pas forcément ceux qui sont attendus. Mais bon, une fois qu'on a réussi à régler un peu tout ça, c'est pas mal. Alors, il existe aussi des systèmes qui vont vous permettre de créer vous-même des profils. Vous allez imprimer une mire de thèse sur un type de papier et ensuite, avec un appareil de mesure, le système va créer un profil que vous allez pouvoir utiliser. Le problème, c'est que autant une sonde pour écran, c'est abordable, autant ces systèmes pour faire des profils imprimants de papier, sont beaucoup plus chers. Donc, si vous vous lancez là-dedans, c'est que vous êtes un professionnel et vous n'avez pas besoin de mes vidéos parce que vous savez déjà comment ça marche. Voilà, merci, au revoir.